Hello, nous c'est Jérémy et Pierre, on est les deux passionnés de vélo et de monocycle, et cette année on a décidé de repartir à l'aventure. Notre idée cette fois-ci, c'était de traverser la France jusqu'à l'océan Atlantique. On a aussi décidé de prendre un monocycle avec nous, dans le but de pouvoir s'entraîner durant notre voyage. juillet 2021, après deux semaines de pluie, on a enfin le beau et c'est pile poil le jour où on part à l'aventure avec Jérémy. Yes, on a vraiment trop de chance. Se réjouir, hein. Ça commence bien en tout cas, ça va être fun. On a d'abord pris la direction de la France et le premier but, vu les circonstances difficiles, c'était de passer la frontière en fin de journée. Trop chaud dans tes chaussures noires, hein? Non, bah ces chaussures en cuir, je vais vraiment, vraiment cuir, comme on dit. Hein. Sera en spectacle à la salle polyvalente. Tout bientôt. Il n'y reste plus beaucoup de place, donc réservez vite. Après avoir noté cette superbe blague dans notre carnet pour pas l'oublier, on a continué notre route en direction de Genève avec la musique. Bien arrivé à Genève et Jérémy est allé nous chercher des glaces. Tiramisu et une boule plus exotique. La grande classe. On en a profité pour faire une petite pause monocycle avant de passer la frontière. On a finalement passé la frontière sans problème et on a trouvé un magnifique petit endroit dans la nature pour passer la nuit. Petit apéro, on se cuisine des pâtes et on va poser la tente juste ici. Dans la nature, on va être hyper bien. Le lendemain matin, on s'est levé aux aurores et on a directement pris la direction d'une boulangerie. Premier petit déjeuner en France, qu'est-ce que tu nous as acheté, Jérémy? Alors c'était trop acheté un affaire, du coup il y a 4 croissants au chocolat et 4 croissants nature. Parfait, on va bien manger, hein. Ouais. La deuxième étape, c'était de rejoindre un ami à nous qui habite à Grenoble. Le tracé était super agréable, on avait un bon rythme, des bonnes jambes et l'idée d'être le soir même à Grenoble nous motivait beaucoup. Jérémy a profité du temps passé sur le vélo pour trouver des nouvelles blagues pour son prochain spectacle. Avec toutes ces nouvelles restrictions, c'est comme si... Ah non, ça va pas. Ici aussi, dans le village d'Aubervilliers, la menace du variant Delta plane. Et voilà, bien arrivé à Grenoble. Avec Sacha, toujours présent. Sacha nous a accueillis dans son magnifique petit resto qui est fermé le dimanche et du coup, on a le resto pour nous. Magnifique. On a passé une magnifique soirée et on a même eu droit à une démonstration de rap de Sacha. Finis bien le chantier, jamais change de sens, toujours sur le même sentier, travaux sur commande. J'finis bien le chantier, en vrai quand t'aimes le... Troisième jour, oups, j'ai failli me prendre un cycliste. Bon, chier ces vélos quand même. Troisième jour, on est à Grenoble chez Sacha et il nous fait visiter un petit peu la région. Alors Jérémy, sympa cette Bastille, hein. Merci Sacha. Sacré vue. On a ensuite rejoint le centre de Grenoble parce qu'on avait rendez-vous pour une grosse session monocycle. Vous êtes chaud les gars, petite session? Allez! Légendaire. Ils errent dans cette étrange sphère, solitaire et perdu, et pourtant ils perdurent. Ils n'ont rien d'autre à faire. Faire.
enfermé entre ciel et terre. Ils se pensent éternels, petits êtres en fer. Mais ils ne savent pas qu'ils rouillent et qu'ils s'enterrent, qu'ils rament sur les vagues d'une mer en tempête. Ils sont de petites lanternes dans cet espace sombre qui au fond les encercle avec un élan faible. Aïe. Et voilà, après 24 heures passées à Grenoble, on reprend la route en direction de Valence. Notre prochain objectif, c'était de suivre le Val d'Isère jusqu'à Valence pour rejoindre le Rhône. On était tout le long sur les pistes cyclables et les paysages étaient magnifiques, du coup c'était vraiment agréable à rouler. 24 km avant d'arriver à Valence, Jérémy fait la vaisselle et nous apprend comment prendre une douche. Alors, merci Pierre pour la nomination, je nomine à mon tour Jérôme, Alexis et Sacha. On vient de rejoindre le Rhône. Trop beau. Et on va où là Jérémy? Chez Adrien de Lecroix. Parfait. Alors let's go. Espérons qu'il soit là. On a continué notre chemin le long du Rhône sans oublier de se faire des bons petits plats, toujours dans la bonne humeur. Et Pierre nous prépare un magnifique mets, des gnocchis à la crème de ricotta et au parmesan. Ça a l'air bon pour le coup. On se réjouit de manger ça. On a ensuite continué notre route en direction du sud, tout en gardant notre sérieux habituel et en faisant des rencontres très inspirantes. Et voilà, c'est la fête sur la bière au nord. Oh, ce pouce festival. Salut Castor. Quatrième jour au soir, le petit spot pour l'apéro pour commencer que nous a concocté Jérémy Bonzon ici présent. Bon, ça va être vraiment bon. Et on va enchaîner avec une petite nuit juste là sur la berge avec un joli coucher de soleil. Ça va être pas mal. Une tomate locale et du vin local. Bon, malheureusement, on s'est fait attaquer par les moustiques. On a donc dû finir l'apéro dans la tente après avoir renversé le verre de rouge. Le cochon. Allez, du sec. C'est vraiment le truc qu'il fallait pas faire, renverser le verre de rouge dans la tente. Oh là là, bon, il y a la belle vue. Après avoir calmement pris un petit déjeuner au bord du Rhône, on a repris la route et c'est à ce moment-là que notre âme de VTTiste s'est réveillée. Voilà, facile. On vient de croiser un monsieur qui nous a dit que la chaussée était inondée dans 1,5 km et qu'on ne pouvait plus aller en avant. Mais on a un petit doute quand même. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il nous ment, on ne sait pas. On va aller vérifier ça. Du coup, on va vérifier. Bon, le monsieur nous avait pas menti. C'est inondé sur 30 mètres. T'es vraiment sûr que ça passe, Jérémy? Ouais, y a moyen. Il est vraiment fou, ce jeune. Je sais pas ce qu'il lui prend. Ouais. Je cite, c'est facile, c'est en béton en dessous. C'est pas possible de passer. Bon, le monsieur avait raison. Ah, putain, c'est pas foutu de notre gueule. C'est quand même, j'allais aller un peu plus loin avant de. Ah, putain, tu m'as tué.
prochaine fois. On attaque les 40 derniers kilomètres avant d'arriver à Montpellier avec Jérémy qui me suit. Et on sent vraiment qu'on est arrivé dans le sud, hein. Il fait très 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 chaud, pas facile pour pédaler. Ben, ça va, on a la musique et il fait beau. Quoi de mieux? On est finalement arrivé chez notre ami Adrien qui habite une superbe maison et le hasard a fait qu'on est arrivé pile poil à l'heure de l'apéro. Alors, comment se tenir chez Adrien? Trop bien, tellement reposant. Oh là là, meilleure nuit depuis le début du voyage. Ah ouais? Non, ouais, écoute, t'y pas. Un castor qui rampe à côté de la plante. La plante, je sais pas. Bien reposé. On va en quelle direction, Jérémy, maintenant? On va à la direction du lac du Salagou. Qu'est-ce qui fait rire? Du coup, tu disais, on va où? On part en direction du lac du Salagou. Du coup, on va où? Bah là, on vient de dormir chez Adrien Delecroix. D'ailleurs, merci Adrien encore pour l'accueil. Et puis là, on part en direction du lac du Salagou. Ok. Petit lac qui est à environ 70 km à l'ouest. Donc, on se réjouit. Let's go. Voilà. On a quitté Montpellier ce matin. Et là, on est vraiment dans le sud. Il fait très, très, très chaud. Et on a trouvé de l'eau. Mais on a trouvé de l'eau. Finalement, on était bientôt à sec. Le petit robinet qui fait plaisir. Ah. Et là, on va faire un petit détour de 30 km pour aller se baigner dans l'Hérault vers le pont du Diable. Ah, ça fait un détour. Tu te réjouis, mon ami? Bah, ça fait chier que ça fasse un détour, mais oui, je me réjouis de me baigner. Finalement, après 30 km en plein soleil, on est arrivé aux gorges de l'Hérault. Nous sommes arrivés au pont de le Diable, ici en France. En Aquitaine, si je ne m'abuse. C'est vraiment joli, hein. C'est une belle gorge. Alors, on se baigne dans les roues. Sympa. Après notre petite baignade, on est reparti pour passer la nuit au lac du Salagou. Lac du Salagou. Ça te fait rire, toi. Je pense qu'on va être pas mal ce soir. Jérémy qui faisait son malin à descendre à fond la caisse en faisant un peu du VTT. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la sacoche a cassé. Et du coup, elles sont les deux tombées. Et il y a la bière qui est cassée. Et il y a la bière du coup qui s'est explosée au fond du sac. Non, mais peut-être pas l'autre. Enfin, je sais pas. Du coup... Toutes nos affaires sont pleines de bière. Mais non. Enfin, peut-être un peu, en fait, oui, un petit peu. T'as déjà entendu parler de ce lac, Jérémy, hein? Salagou, non, jamais. Ça vaut le détour, en tout cas. Dommage que la moitié s'est renversée dans le sac. Non, ça. C'est vrai qu'on reste deux verres. Hein. Alors, la remise à l'eau. Voilà. Allez, vol. Vol de des propres ailes. Des propres pinces. Ah, bah elle est tellement bien, elle veut rester. Oh, elle est chou. Oh. C'est une belle rencontre. Merci, petites écrevisses. Tu sais, on se souviendra de toi. Comment est-ce que tu t'appelles? Donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Allez, on s'est rencontrés. Géraldine. Géraldine. Je m'appelle Géraldine. Merci de m'avoir sauvé. Je croyais vraiment que j'allais passer à la casserole cette fois. Je pensais vraiment que c'était foutu. Je me disais... Ah là, je me disais, je suis cuite. Je suis foutu.
finir quand le Sam. Allez, j'y vais, hein, ciao, ciao. Le lendemain matin, on a profité d'un magnifique lever de soleil au bord du lac et on a ensuite repris la route sur nos vélos. Direction Toulouse. C'est magnifique. Et ça, c'est Jérémy. Bon, finalement, on en avait marre de la France. On a pris un avion pour le Texas avec Jérémy. Nous voici. Du coup, tu veux nous faire quoi, là, Pierre? Je vais descendre. Oh oui. On a ensuite continué notre chemin sur les voies vertes en direction de Toulouse. Ah, le frais des tunnels des voies vertes, ça c'est pas mal, hein. C'est la discothèque. Wouhou ! À un moment, par pur hasard, on a croisé un ami monocycliste qui baladait son chien sur le bord de la route. On vient de croiser Quentin en milieu de nulle part, on sait même pas trop. Et là, bah, du coup, on va faire une session avec lui. Improbable. C'est ça. Prêt pour aller à Toulouse? Ah oui, moi je suis prêt, mais si on demande à ma petite chaussure, je crois qu'elle est pas très motivée. Hein. T'as envie de faire encore un petit peu de vélo? Non, les mains, je sais que j'ai les fesses, c'est de la merde! C'est de la merde, apportez-moi aux Emmaüs! Dernier jour avant d'arriver à Toulouse. Notre campement pour la nuit, au bord d'une rivière, petit apéro, avec de l'aligot. Spécialité contenant la pomme de terre et de la tomme, c'est fameux. Du sud-ouest. On se régale, hein. Bon, malheureusement, juste avant d'arriver à Toulouse, il y a mon cadre qui a pété. Voilà. Ça s'est arraché, le support du porte-bagages. Du coup, il y a un gros trou dans le cadre maintenant. Mec, ça fait chier. Hein. Toujours avoir ça dans le sac, hein. Vous pouvez réparer des cadres. Tout ce que vous voulez avec. Hein. Pratique ça. Ouais, ça tient, mais. Moi, j'en occupe. Nous voilà au bord du canal latéral à la Garonne. Et on va où, Jérémy? Donc, direction Bordeaux. Tip top, direction océan. Alors on te suit. Yes. Alors à bientôt, hein. Bonne suite. On était super content d'avoir quitté Toulouse et rejoint le canal latéral à la Garonne, car ça voulait dire pour nous qu'on pouvait faire beaucoup de kilomètres par jour et rejoindre rapidement l'océan. On a bien roulé aujourd'hui, 160 kilomètres. Et là, on s'est posé dans les vergers pour prendre l'apéro et passer une bonne nuit. Vivement les chips, hein. Ah ouais, tu l'as dit. 25 juillet, au bord du latéral, canal à la Garonne. Fait chier le nom. 25 juillet, on est au bord du canal latéral de la Garonne. Et puis, quelqu'un nous a laissé ce magnifique mot, vous êtes formidable. Donc on remercie la personne qui nous a laissé ce superbe mot. Et nous voilà à Agen,
avec le pont canal. Bon, une question à chaud, Jérémy. Quelle est la rivière sous le pont? Bien arrivé à Bordeaux, on est allé voir pour des billets de train pour Dijon dans 2 jours là, pour rentrer. Sauf que il n'y a plus de place pour les vélos. Et du coup on devra enfiler tous ces vélos et ce chenille dans le train, dans une énorme housse. Ouais. Du coup bon, on va aller acheter des housses et puis voilà quoi. Génial. Et nous partons de Bordeaux direction l'océan. Oui. Vivement. On a acheté des petites housses pour le vélo. Et puis, on se réjouit de voir ce que ça va donner. On a beaucoup apprécié la piste cyclable qui relie Bordeaux à Lacanau. On est tout le long à travers les forêts de pins et ça nous emmène directement vers l'océan. Après tous ces kilomètres, enfin arrivé à la mer. C'est l'heure de l'apéro. Le lendemain matin, on s'est réveillé sur la plage, c'était incroyable. On a profité de ces 2 jours à l'océan pour se reposer, essayer le surf, et on a aussi fait un petit peu de monocycle au bord de l'océan. Petit après-midi de plage à Lacanau. Au programme, ça va être quoi, Pierre? Petite chaise, petite baignade, tranquille. Voilà, tranquille le chat. Hein. Pas trop de stress, ça va faire du bien. Et nous voilà de retour à Bordeaux, au bord de la Garonne. Et on va aller essayer de prendre le train avec les vélos. Conduction. On verra bien, ça va être un petit peu le gymkhana, je pense. Ouais, ça risque. Ça va passer dans le sac, tu penses, Jérémy? Je sais pas, franchement, on va être chargé comme des chameaux là. Ça va être un peu la guerre. Ouais. Plus qu'à faire rentrer ça dans le sac. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais. Que heureusement qu'ils ont des places pour les vélos dans les trains. Hein. Ouais, merci la SNCF. Hein. Tout top. Bon, après une demi-heure, on est prêt. Ça a aucune allure. Zéro. On verra ce qu'ils nous disent, mais en tout cas, le vélo. Très pratique. Prendre le train avec le vélo, c'était vraiment une étape compliquée, mais finalement, on a quand même réussi à arriver à Paris. Bon, on vient d'arriver à la gare Montparnasse, et là, on doit sortir de la gare et remonter les vélos et aller en vélo à la gare de Lyon. C'est vraiment génial, en tout cas. La merde. Et on recommence, tout démonté, tout pacté, pour prendre le deuxième TGV pour Dijon. C'est un peu l'angoisse. Ça va, tu t'en sors? T'as la place? Oh ouais. C'est un peu coince-coince. Hein. Finalement, bien arrivé à Dijon. Avec Florian. Notre ami Florian nous a fait une petite visite de la ville et le soir on était au skatepark pour se faire une petite session. Yes! Yeehaw!
Think about a knife slowly cutting your throat. Let her think about a girl slowly putting on your coat. Lips to her lips, holy shit she close. Let her think about you dancing but she's stepping on the toes. Now I realize that all these hands just ain't a fucking dream. All these hoes and all these bloody drinking fast like it's a meme. Why you texting me, bitch, you don't wanna dick. So you talking shit, bitch, put me on the desk. I'm that shit, no yes! Après une bonne nuit de sommeil chez Flo, on est reparti depuis Dijon pour la Suisse, dernière étape du voyage. Avec un petit déj bien mérité. Pas en raisin. On a ensuite repris la route en direction de la Suisse et on s'est arrêté à Dole pour la pause de midi. Petite pause de midi à Dole, un peu de mono, bien mangé. Et on va se remettre en route. Vraiment une belle ville en tout cas. Ici, Jamie, je me trouve dans la cour intérieure de l'Hôtel Dieu, un monument construit en 1613, achevé en 1686, qui abritait les pauvres et les malades. On note également une architecture typique de la Renaissance qui donne à l'endroit une élégante simplicité. Merci Dole pour ce véritable joyau historique. Wow. Ah, c'est beau, hein. Oh là là. Super. Après cette petite pause culturelle, on a repris la route en direction des sources du Doubs dans le Jura. Il faisait grand beau et c'était vraiment agréable de rouler dans la campagne. Dernier soir, petit plat de pâtes dans le Jura. Trop bon. Avec une jolie vue sur la plaine. C'est les sources du Doubs. Aux sources du Doubs. Ça va être pas mal. On vient de se réveiller dans le Jura et on va faire un petit détour en arrière pour aller voir les sources du Doubs. Dans le Jura, à 1000 mètres, même en été, il fait froid. J'ai pas de fumée. Alors comment on fait pour avoir chaud aux pieds? Oh, oh, oh oui. Ah ouais, des chaussettes. Donc chaussettes. On est finalement arrivé aux sources du Doubs et on a vraiment trouvé que le détour valait la peine. La vue depuis le belvédère, on voit nos vélos tout en bas. Et la vue qui est assez incroyable. Jérémy qui nous fait un col avec des tongs et des chaussettes. Non, non, je vais les enlever, je vais les enlever. On m'a fait trop de remarques, j'en ai marre. Et maintenant, hop, juste en chaussettes. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est du grand cyclisme. Après le col, on a continué la traversée du Jura pour rejoindre le lac Léman dans l'après-midi. On arrive au bord du lac Léman après un peu moins de 1600 km. Voilà. Voilà, c'est cool. Il fait méga beau. Jolie vue. Yes. Magnifique. Eh bien joué Pierre hein. Trop bien. Joli. On va fêter ça avec une bonne baignade tout en profitant de la vue. En conclusion, ce voyage à vélo, c'était vraiment que du bonheur. On a bien rigolé tout le long, on a vu des paysages magnifiques et en plus de ça, on a fait plein de nouvelles rencontres. On a fait moins de kilomètres que lors de nos précédents voyages. Et ça nous a vraiment permis de profiter de chaque étape sans se mettre la pression. Ce voyage était aussi l'occasion de revoir une partie de nos amis monocyclistes français qu'on n'avait pas pu voir depuis longtemps à cause de la situation sanitaire. On tenait aussi particulièrement à remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis durant notre voyage. On espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à regarder ce petit film. En tout cas, pour nous, c'était super de se replonger dans nos souvenirs en faisant le montage. Merci à tous, à très vite, et n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. Petit murmure en chair, que de construire des murs.